Il y a un fait sur lequel je voulais attirer votre attention. C'est la direction vers où veut nous amener les zombies du RDR par la voie de leur laudateur. Et parmi ces laudateurs, un s'appelle certainement Mamadou Touré. Hier, nous avons relayé un résumé de l'interview qu'il a eu avec France 24. Non, pardon, RFI, autant pour moi. En fait, nous avons donné un condensé de l'interview qui a duré 5 minutes ou 6 minutes, quelque chose, entre 3 et 5 minutes, où, par habitude, hein, il a dit beaucoup d'hérésies, avec des arguties qui, enfin, à notre niveau, nous sommes, ne tiennent plus. Il cherche à séduire, hein, de la manière la plus mauvaise, les nouveaux majeurs. Il cherche à redorer le blason du terroriste à la centrale Ouattara. Il est dans son rôle. Voilà. Lorsqu'on pose des actes comme les nôtres, il faut que chacun reste dans son rôle. Touré Mamadou, qui est personne, qui n'est qu'un boy, qui n'exécute que ce qu'on lui demande de faire. Drama Ouattara, que lui-même accompagne d'Atalakou et de Louange, qui n'est aussi un boy, qui ne fait qu'exécuter ce que la France lui demande de faire. La Caisse France, qui elle-même, avec Emmanuel Macron, est un boy de nos systèmes qu'on appelle la France-Afrique. La Caisse France-Afrique est elle-même servante d'une autre structure qu'on appelle l'OTAN et tout ce qui va avec, qu'on appelle en gros ce système qui veut aujourd'hui guider le monde, dont les BRICS sont en train de combattre. Et l'OTAN qui elle-même est la servante de la franc-maçonnerie, et c'est vraiment une structure pyramidale bien organisée, bien structurée pour vassaliser surtout les hommes noirs et appauvrir la population d'Afrique et s'enrichir au détriment des Noirs. Voilà. Il faut bien le comprendre. Donc aujourd'hui, dans notre débat, fixer l'homme, lui qui parle, n'est pas forcément le point, la lune qu'il faut voir. Si vous fixez celui qui parle ou celui qui transmet un message, surtout quand ça s'agit des zombies, c'est que vous regardez le doigt, vous regardez la lune. Je répète, Mamadou Touré et tous les zombies du RDR, les Cissé Bakongo, les Kandia Camara, les Anouloto, les Belmonte, tout le Bota, les Adjoumani, sont des gens qui sont robotisés, sont des gens qui sont payés pour faire ce qu'ils font, sont des boys, c'est des gens qui n'ont pas de conviction, des gens qui ont vendu leur âme à maman, des gens qui vendent un service, c'est des prestataires. Tout ce que vous voyez bavarder au RDR, il faut comprendre que c'est des prestataires. Et ces prestataires-là, c'est bon, vous m'entendez? Tout ce que vous voyez au RDR, jaser, jacasser, éructer, bêler, sont des prestataires. C'est comme aujourd'hui, vous voulez une maison de nettoyage. Et vous allez sur Internet, vous choisissez la maison de nettoyage qui sied à votre portefeuille. Et vous les faites venir, viennent nettoyer. Une fois que vous leur donnez l'argent, c'est à vous de donner les instructions. Donc les Mamadou Touré, c'est des boys, c'est des nettoyeurs, c'est des gens qui viennent faire la talako de Ouattara. Comme un peu quand vous allez dans un maquis, il y a quelqu'un qui fait votre talako et puis vous le payez. Donc considérez-les comme ça. Ne prenez pas au premier degré leur bêtise. Ne prenez pas au premier degré leur grognement. Ça n'aura pas de valeur et ça aura un effet néfaste sur votre esprit, votre âme et votre santé. Parce que si vous écoutez ces gens-là et que tous vous êtes fâchés, non, vous allez avoir mal pour des gens qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont eux-mêmes, comme je l'ai dit, des prestataires, des boys, d'une autre personne qui n'est autre que Drama Ouattara, qui lui-même est le boy d'Emmanuel Macron, de la France, qui elle-même, laquelle France est bonne de la France-Afrique, et laquelle France-Afrique elle-même est bonne du système de l'OTAN qui veut populariser les Africains et le monde, et laquelle système de l'OTAN elle-même est bonne de la franc-maçonnerie qui est détenue par les États-Unis, qui sont présentés comme étant les gardiens du monde. Sauf qu'aujourd'hui, avec la géopolitique, l'arrivée des BRICS, l'idée par la Chine et la Russie, a changé la donne. Donc je fais cette vidéo pour vous dire que Mamadou Touré et les zombies du RDR nous amènent ailleurs. Pourquoi je le dis? Frère, le président Laurent Gbagbo, dans une vidéo, je vous ai expliqué succinctement, est juste en train de retourner à l'envoyeur ce qu'ils lui ont fait hier. Peut-être pour les nouveaux majeurs, pour les petits frères, on sera obligé de faire de longues vidéos. Sinon, pour tous ceux qui ont suivi la crise post-électorale comme nous, pour tous ceux qui ont été témoins du coup d'État contre le président de Konambédé en 1999 par Alassane Ouattara, pour tous ceux qui ont été témoins de la déstabilisation du pouvoir du président Gbagbo après un an et demi d'arriver au pouvoir
le 19 septembre 2002, tous ceux qui ont accompagné la rébellion, tous ceux qui ont été témoins de la rébellion, tous ceux qui ont été témoins de l'amnistie que le président Laurent Gbagbo a pris pour contre les rebelles, tous ceux qui ont suivi les pourparlers pour ne pas que le pays soit divisé, Marcoussi, Kléber, Accra 1, Accra 2, Lomé, Ouaga, Pretoria et tout, tous ceux qui ont suivi un peu la crise post-électorale en 2011 et l'arrivée des rebelles avec à la tête Soro Guillaume, tous ceux qui ont suivi l'incursion du commando invisible avec Ibrahim Koulibaly dit Ibé, tous ceux qui ont suivi un peu la chasse contre les pro-Gbagbo, la chasse contre ceux qui aimaient Gbagbo, la chasse contre les patriotes, tous ceux qui ont suivi comment et pourquoi nous sommes sortis, parce que nous étions les supplétifs pour accompagner la Côte d'Ivoire à se battre, moi, Van Nicolo, fier d'avoir pris les armes pour mon pays, parce que dans un pays, c'est ce qu'on appelle milice qui protège son territoire. Tous ceux qui ont accompagné le président Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui dans la marche, dans les marches partout, dans la diaspora, tous ceux qui ont accompagné le président Gbagbo jusqu'aujourd'hui, là où il est, savent que si le président Gbagbo est sorti des arcanes de la France-Afrique, il a une autre mission. Tous ceux qui ont aujourd'hui été témoins du président Ali Conan Bédié, du coup d'État jusqu'à de tout son programme pour la Côte d'Ivoire, de l'ivoirité, de tout jusqu'à aujourd'hui à ce qu'on l'assassine, savent que la Côte d'Ivoire va inéluctablement dans une nouvelle zone où elle va renaître de nouveau. Tous ceux qui sont aujourd'hui des gens qui voient au-delà de leurs yeux savent que tous les grands pays, comme le disait le président Gbagbo, ont traversé ce que nous avons traversé. Mais pire, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, le combat de Mahatma Gandhi, le combat de tous, en tout cas, le monde, il n'y a rien de nouveau, comme on le dit sur les tropiques. Donc ce que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui, à quelque chose de malheureux, bon, nous avons perdu des millions de frères, des millions de sœurs. Nous avons vu nos enfants égorgés, nos femmes enceintes éventrées, des hommes sodomisés, des danseurs d'Adjanou enterrés. Nous avons eu des génocides, tout ça nous avons subi. Mais la Côte d'Ivoire qui est notre pays, comme le dit notre Abdelaziz, a besoin de nous appeler là. Donc, là où les RDR veulent nous envoyer là, n'allez pas là-bas. Vous allez vous faire mal pour rien. Vous allez avoir des maux de cœur pour rien. Moi, Papa Nicolo, j'ai croisé Mamadou Touré, dont on parle là, je l'ai croisé. C'est vrai, j'étais pas seul, j'étais mal accompagné parce que j'avais une petite soeur d'Emmanuel Macron qui était venue me voir de loin. Hein? Ouais, non, voilà. On n'est pas aussi vieux que ça. Hein? Bref, j'étais pas seul, j'étais accompagné d'une amie qui est venue me voir de loin. Je l'ai regardé, c'était sur la rue Fresle, aux alentours de la tour Eiffel, et pendant 5 minutes, je l'ai suivi. Mon ami qui était à côté de moi me demandait, mais tiens, où tu vas? En fait, c'est vrai, c'était gênant qu'elle soit là, parce que si j'étais peut-être seul, j'allais faire des bêtises. Oui, ça, après, je me suis dit, Dieu merci, à quelque chose malheureux, bon. Si j'étais seul, j'allais faire des bêtises. Et peut-être j'allais faire des bêtises, il n'allait même pas me permettre de toucher l'objectif. Parce que notre objectif, ce n'est pas de battre ces cancres-là. Notre objectif, ce n'est pas de violenter ces imbéciles-là. Notre objectif, c'est d'accompagner le panafricanisme, c'est d'accompagner les leaders comme Laurent Gbagbo à déchoir totalement le système. C'est là qu'il faut atteindre l'objectif. Sinon, cet imbécile-là, je l'ai croisé, je marchais. Il a eu sa tête baissée dans son téléphone tout le temps qu'il marchait. À un moment donné, j'ai eu pitié de ça. Tout le temps, je le suivais. Il y avait mille et une idées qui me trottaient dans la tête. Et si je le giflais? Et si je le fauchais? Et si je le frappais? Tout ça s'est passé dans ma tête. Mais j'ai dit, ben, tu allais frapper, tu es avec quelqu'un. Mais si tu finis de le frapper là, c'est quoi l'objectif? Est-ce que Draman Ouattara est parti? Après, je dis, bon, écoute, c'est pas la peine. Et puis, comme il avait sa tête baissée dans un téléphone, il était en déplacement. Donc, pour prendre une photo, c'est difficile. Il bougeait, il était rapide. Et il marchait comme ça. Il faisait semblant de manipuler son téléphone. Comme quelqu'un qui rasait les murs. Et je l'ai regardé, il est parti. C'est ce même Mamadou Koulibaly qui gueule aujourd'hui. Et bon, mais comme je vous l'ai dit, hein, on va pas rentrer dans les émotions. Il faut qu'on soit objectif. Ce que je veux vous dire, c'est que le message qu'ils essaient de faire passer, il faut comprendre le message. En fait, le RDR est arrivé à fin du règne. Le RDR joue son va-tout. C'est ça qui est le vrai point. En réalité, le RDR sait que la maladie et le cancer qu'ils ont en Côte d'Ivoire là, finira par les rattraper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme un poulet qu'on égorge, qui se débat, vous voyez, le RDR est comme hébété. C'est-à-dire souvent, ils font même de l'oxymoron. Mamadou Touré, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une interview de RFI. On a envoyé le message qu'on a fait sur les nets, mais c'est une interview de RFI où il a dit beaucoup de choses, mais c'était des arguments, c'était des contre-vérités, c'était que des mensonges. Où il parlait de leur réussite, de ce que le cadre HDP veut que Ouattara soit candidat, où le journaliste lui demande est-ce que Ouattara va accepter. Où il dit non, que pour le moment Ouattara n'a rien dit, mais voilà, dans toute la Côte d'Ivoire, 400 tantantant, celui veut que Ouattara soit candidat, Ouattara a un bon résultat, patati patata. On lui pose la question de savoir par rapport au président Gbagbo, il dit ce n'est pas un problème de justice. C'est là qui vous a énervé. Mais en fait, Mamadou Touré est dans son rôle. Il fait la talacou de son patron. Donc, il est obligé de dire des choses qui vont faire qu'on va le payer. Quand Mamadou Touré dit que en Côte d'Ivoire, la justice est
y a séparation de pouvoir. Nous tous on sait que c'est faux. Voilà. Donc on va pas venir perdre du temps dessus. Nous tous on sait que c'est faux. Quand Mamadou Touré dit que le président Laurent Gbagbo, ce problème c'est un problème de justice, nous tous on sait que c'est faux. Quand Mamadou Touré dit par exemple que le président, le terroriste Assane Dramane Ouattara n'a pas la capacité d'amnistier le président Gbagbo et qu'il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, ça c'est la structuration normale d'un pays de droit. Ce qu'il dit, c'est la structuration normale d'un pays dit démocratique. Ce qu'il dit, c'est la situation normale d'un pays où il y a un pouvoir démocratique. Or, nous tous on sait que en Côte d'Ivoire, nous faisons face à une tyrannie. Donc, ce qu'il dit n'est même pas actuel, c'est même pas factuel et c'est même pas pragmatique. C'est du mensonge. Mais c'est quelqu'un qui fait du vouzé. Là, vous voyez, c'est comme une femme djoula qui chante vos atalakou. Elle ne va pas dire vous êtes vilain. Mais si tu es vilain jusqu'à tu cognes le mur, elle va dire tu es beau. Donc, c'est ce que Mamadou Touré fait. Donc, il faut le comprendre, il est dans son rôle. Donc, en fait, comme nous savons que tout ce qu'il dit, c'est faux, comme nous savons tout ce qu'il dit, c'est des arguties, c'est du mensonge, il érige pour rien, il jacasse, il grigne pour rien, nous n'allons pas aller sur ce niveau-là. C'est-à-dire, regarder sa main. Ce qu'il faut regarder, c'est la lune. Pourquoi Mamadou Touré fait tout ça, à votre avis? Pourquoi le RDR attaque le PDCI, attaque Soro Guillaume, attaque le président Bédi? Pourquoi? Et pardon, le président Gbagbo, à votre avis, pourquoi? C'est la peur. C'est la faiblesse. C'est terminé. Pourquoi aujourd'hui ils brandissent que quand Cissé Bakongo dit, ils nous attendent dans la rue? À votre avis, pourquoi ils le disent? C'est parce qu'ils savent que là-bas, là, dans la rue, ils n'ont pas de force. Si vous voyez qu'ils montent du doigt, on les attend dans la rue. S'il faut, on va faire ceci. Gbagbo ne sera pas candidat. On va faire comme ça. Parati, patata. Et puis souvent même, ils se marchent dessus. Quand Cissé Bakongo dit que c'est le président, c'est le terroriste Assane Dramane Ouattara qui doit prendre une loi d'amnistie, Mamadou Coulibaly dit non, le terroriste Assane Dramane Ouattara n'a pas la capacité de prendre une loi d'amnistie. Vous voyez, eux-mêmes, ils se marchent dessus. C'est parce qu'ils sont, groquis. Ils sont dépassés. C'est la débandade, c'est la peur. Ils savent que c'est terminé. Ils savent qu'aujourd'hui, leur mensonge n'est plus passé. Les milliards et les milliards que Mamadou Touré a promis au juge n'a pas donné. Ils savent qu'ils essaient tant bien que mal de présenter dans un RSBROUF. Ils sont installés, mais ils ne sont nulle part. C'est terminé pour le RDR. Mais le RDR, comme c'est pas leur pays, à 99%, le RDR, c'est des étrangers. C'est des Ivoiriens greffés. C'est des Ivoiriens hybrides. Ils sont comme mangue greffée. C'est-à-dire, tu prends citron, tu mets sur mangue, bien, tu prends mangue du village, tu mets. C'est des Ivoiriens greffés. C'est des gens qui sont Ivoiriens que par la justice. C'est pas des Ivoiriens scientifiques. C'est pas des Ivoiriens naturels. C'est des Ivoiriens politiques. Donc, du coup, le pays ne leur appartient pas. Leur intention, c'est que, comme ils savent que c'est terminé, on va tout gâter. C'est dans ça qu'ils sont. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils veulent pas qu'on voie. Or, c'est là qu'il faut regarder. Ils vont brûler le pays. Ils ont déjà armé les microbes, ils ont déjà armé les yambros, ils ont cassé le nid des microbes. Tout ce qu'ils ont cassé, Boribana et autres, c'est là-bas où leurs microbes, les rebelles sont rentrés pour tuer les gens. Donc, ils ont tout cassé. Ils sont en train de nettoyer leur territoire parce qu'ils sont prêts. Ils se sont armés. Et quand j'ai envoyé l'armée française, l'armée américaine, toutes ces armées-là, ils veulent parer à toute éventualité venant de l'AES, puisqu'ils n'ont plus de base arrière. Mais en interne, ils ont armé les microbes et autres pour pouvoir tuer les Ivoiriens au cas où. C'est là-bas qu'il faut regarder. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, il faut que déjà en septembre 2025, il faut qu'on se prépare à rentrer au pays. N'est-ce pas, Mme Bokito? Moi, Roba Nicolo, j'observe la situation. En septembre 2025, si nous sommes dans ce statu quo-là, je sais que mon pays aura besoin de moi. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, je vous le dis. En septembre 2025, si nous sommes dans cette situation-là, moi, je vais rentrer au pays. Parce que je ne peux pas rester ici. Je vais m'en vouloir. Je ne peux pas rester ici. Déjà, j'étais là-bas. J'ai fait ce que je devais faire. On m'a emporté au nom de ma famille. À cause de ma famille, je suis parti pour les laisser tranquille. Mais je vais rester ici. Ils ont dit ça en 2020. On a vu ça à distance. 2025 encore, non. En septembre 2025, là. Si la situation est que nous allons rentrer au pays, parce que le pays aura besoin de nous. Même si je dois tomber, je vais tomber au moins à un RDR. Donc, camarades, ne regardez pas là où Mamadou Touré et les zombies du RDR veulent nous amener. En réalité, le RDR a peur. Le RDR est dépassé. Le RDR est groggy. Le RDR ne sait pas à quel sens se vouer. Avec la pression du président Laurent Gbagbo. Vous voyez que le président Gbagbo met pression, non? De la même manière, les Français ont mis pression sur le président Gbagbo pour que Ouattara soit candidat. C'est de cette même manière, le président Gbagbo est en train de mettre une pression, mais intelligente, à un niveau qui n'a pas de sens. Donc, ils voient la chose venir. Et comme ils savent que, au finish, tout va se régler dans la rue. Parce que le président Gbagbo, il est prédisposé à mener un combat populaire. Comme ils savent que c'est là-bas, c'est tout la faute du président Gbagbo, c'est pour ça qu'un des trois, ils disent, on les attend dans la rue. On les attend dans la... Parce qu'ils savent que si les Ivoiriens se lèvent, la France va les lâcher. Ils savent que si la population se révolte, les États-Unis vont les lâcher. Ils savent que toute l'armée qu'ils ont envoyée là, si les Ivoiriens sont mobilisés, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, toutes les forces qu'ils ont envoyées, les armées, vont les lâcher. Parce que dans la loi de la démocratie, ils ne pourront pas tuer tout le monde et ces armées ne pourront pas s'ingérer. Par contre, s'il y a une armée qui vient de l'extérieur, des frontières, à ce moment-là, ils pourront utiliser ces forces-là. Or, le président Gbagbo, qui est un homme qui est désarmé, qui est un homme qui n'aime pas les armes, va absolument nous conduire au combat. Et c'est l'alibi qu'il trouve en étant candidat. Le président Gbagbo est vieux. Quand il vous dit d'entrer de son discours à l'investiture que c'est chez nous ici, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Personne ne peut être à l'aise sans se battre. Quand il prend l'exemple de la guerre du Nord et du Sud américain, c'est pour vous dire que si on veut la liberté, si on veut y arriver, il faille qu'on se batte. Et moi, je suis prêt à aller à cette candidature-là parce que je sais qu'avec moi, vous pouvez vous battre. Voilà pourquoi, en âme et conscience, spirituellement, physiquement, moralement, socialement, politiquement, traditionnellement et culturellement, je donne toute ma force
à ce que le président Laurent Gbagbo, qui est la seule personne, l'unique, qui a vu le lion, qui a été dans l'âme du lion, qui est ressorti vivant, qui a combattu la France, qui a un programme, c'est-à-dire sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière de la France-Afrique, est la seule personne capable de nous sortir de cette, de ce carcan-là. Voilà pourquoi vous voyez les Mamadou Touré pleurer, les Cissé Bakongo pleurer, le RDA aller sur tous les sens. Mais je vous exhorte à ne pas aller vers cette direction-là. Il faut regarder l'objectif. L'objectif, il faut qu'on commence à battre campagne pour Gbagbo. Et en même temps, il faut qu'on se prépare. Parce que sur le terrain-là, on va se battre. On va se frapper. C'est notre pays, non? On va tout casser et puis on va reconstruire. Parce que quand une plante meurt, une graine pousse. Si le RDA pense que, en nous intimidant, en voulant brûler la Côte d'Ivoire par leur pays, nous allons reculer pour leur donner le pays comme on a déjà fait, il se trompe. Cette fois-ci-là, on va faire tomber toute la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va reluire de nouveau. Au nom de nos ancêtres, je suis Koussou Baba Nicolo, Etiokou, Eliokou, Adien Protoli, Etiokou, que les ancêtres nous bénissent. La patrie ou la mort pour la Côte d'Ivoire, nous sommes jusqu'au bout. On est ensemble. Ciao, ciao.